et homme de demain, dans la confiance et l'amitié. La vie ensemble et la foi partagée. Les jeunes nous en diraient long sur leurs désirs secrets, leurs espoirs, leurs attentes, sur leur foi d'un monde en paix. Si nous les écoutions, car c'est le temps des rêves à la sagesse. Keep you with me.
Nous faisons le rêve de rester
reste des jeunes qui laisseront des traces, des jeunes capables de bâtir quelque chose de durable, des jeunes voyageurs désireux d'ouverture et soucieux de changer le monde de façon positive. Mais rêvons aussi pour le monde. Nous rêvons d'un monde qui se tisse avec des valeurs humaines. Un monde dans lequel soi-même et chacun retrouve sa dignité. Nous rêvons d'un monde dans lequel gagner de l'argent ne soit pas la seule ambition. Nous rêvons d'une société qui ne se nourrisse plus de la misère d'autrui. Au contraire, nous faisons le rêve de voir naître un monde acté par le partage et la solidarité, c'est-à-dire un monde qui choisit de s'attarder sur l'essentiel. Nous faisons le rêve d'un monde où le temps n'est plus synonyme d'argent, mais d'échange. Nous faisons le rêve d'un monde où l'homme et la femme redeviennent l'un pour l'autre un événement avec un grand E. Nous faisons le rêve d'un monde où vous et nous réappréhendons l'un pour l'autre à envisager l'autre plutôt qu'à l'envisager. Mais alors, de quelle école peut-on rêver? De quelle école rêvons-nous? Nous rêvons d'une école qui est pour objectif principal d'apprendre aux jeunes et aux autres la solidarité et l'entraide. Une école où, à travers la solidarité, chacun, quel qu'il soit, puisse se sentir en confiance et grandir intérieurement. Nous rêvons d'une école où le travail retrouve un sens et un objectif humain. Une école qui nous rend toujours plus sensibles aux choses, aux autres, au monde, à soi. Nous rêvons d'une école dans laquelle personne ne sera jamais un simple numéro. Une école où chacun pourra toujours trouver une place, sa place. Une école qui sera pour chacun une chance d'être unique. Nous fêtons aujourd'hui les 100 ans de la sagesse. Et tous ces rêves, nous les mettons dans cet anniversaire. Nous voudrions que cet anniversaire et ce temps des rêves soit comme une inauguration des 100 ans à venir. Pourquoi pas 100 ans de sagesse? Nous faisons ce rêve. Merci.